Good morning, allez, dans l'étude 3 aujourd'hui, le Nishmat Claude Shlomo Ben Shalom et Lucien Batraina. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Sota Perek, Chet Mishnah Bet. Bedibroa Shotrim, El Aam Lemor, Mi Haish Asher Bana Abayit Hadash, Velo Hanacho, Yelech Yashov Leveto. Echad Abone, Ve Beta Veteven, Beta Baka, Beta Etzim, Beta Osaot. Echad Abone, Ve Echad Alokach, Ve Echad Ayosh. Ve Echad Shin Nintendo Ben Matana. Fin de la première partie. Deuxième partie. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו וכו'. אחד הנוטע כרם ואחד הנוטע חמישה אילני מאכל ואפילו מחמשת מינים. אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב ואחד הלוקח ואחד היורש. ואחד שנתן לו במתנה. תחוזם פרצי למשנה. ומי האיש אשר הרס אישה ולא... שוקליקום רוצה דו. אחד המארס את הבתולה ואחד המארס את האלמנה אפילו שומרת יבם. ואפילו שמשמת אחיו במלחמה חוזר או בעלו. Kol Elu, Shomin Divrei Kohen, Me'arche, Milchama, Vechozrin, Me'sabkin, Maim, Umazon, Me'teknin, Etad Rachim. La fameuse déclaration que chacun connaît, lorsqu'on partait en guerre, alors il y avait tout un rituel, comment partir, comment ensuite faire la guerre, il y avait plusieurs personnes qui devaient repartir en arrière. On avait déjà vu, dans la Mishnah précédente, la première déclaration que le Kohen Gadol, plus précisément le Mashouach Milchama, de déclarer devant le Ham Israël, en leur disant « N'ayez pas peur, ne craignez rien, vous allez partir, c'est Hachem qui va vous faire la guerre pour vous. » Ça, c'était, jusque-là, le Kohen Gadol parlait et il se retirait. Et puis ensuite, il y avait les Shotrim qui venaient, littéralement les policiers, ceux qui étaient contrairement responsables pour diriger tout le peuple, organiser le peuple, l'exécutif, comme on dit. Et puis, eux, maintenant, c'est eux maintenant qui allaient prendre la parole et ils allaient dissuader trois sortes de personnes imposées, même, ils sont obligés de se retirer, trois sortes de personnes qui devaient quitter ne pas partir en guerre. Les trois personnes, c'est celui qui a construit une maison et qui n'a pas eu le temps, qui n'a pas encore eu l'occasion d'y vivre dedans ou de. Deuxièmement, c'est celui qui a construit, et que celui qui a planté un verger et qui n'a pas eu l'occasion pour le moment de prendre de ses fruits. Or, lorsqu'on plante des arbres, ça peut prendre parfois 4 ans, parce qu'à la horla, il faudra attendre, velo chilelo, la Torah nous le dit. Et ensuite, troisième chose, c'est celui qui a fiancé une femme et qui ne s'est pas encore marié avec elle. Et il doit maintenant repartir pour rester avec sa femme. Ils sont imposés de repartir. C'est les trois qu'on va voir. Du coup, chaque fois qu'on va évoquer un cas, alors on va préciser qu'est-ce que ça implique. Construire une maison, c'est quoi construire une maison? Est-ce que, s'il faut nécessairement construire, combien de pièces? Si j'ai déjà une maison, j'ai construit un toit supplémentaire, j'ai construit sur mon toit, j'ai élargi ma maison. Est-ce que c'est inclus aussi dans la Mishnah? Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Si j'ai construit, en fait, j'ai acheté un magasin. Si j'ai acheté une maison, je ne l'ai pas construite. Si j'ai hérité, si j'ai reçu cadeau d'une maison, est-ce que ça inclut? Et c'est sur ça qu'on a la Mishnah qui va me dire, alors, Védibura Shotri, madame, et les policiers vont parler au peuple en leur disant, Mi Aish Asher Bana Bait Hadash Velo Chanacho. Quel est l'homme qui a construit une nouvelle maison et qui ne l'a pas encore? Chanacho, le Chaner, il n'y a pas de mot pour traduire en français, qui ne l'a pas éduqué, mais là, ce n'est pas le sens. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore entré dedans maintenant pour s'y installer concrètement. Alors, Yelech Veyashov Leveto, il devra repartir chez lui à la maison. Concrètement, on va voir qu'il ne repart pas tout de suite à la maison. Ah, j'ai oublié de le préciser en introduction. On va voir dans la Mishnah Bet et Mishnah Gimel, certaines personnes qui doivent se retirer de la guerre, ne plus être au front, mais qui doivent quand même rester en, si je peux dire, en défense passive, pour malgré tout aider ceux qui font la guerre en leur apportant à manger et à boire. Et à d'autres personnes, on va leur dire littéralement, rentrez chez vous, ne restez pas ici. Du tout. D'accord? Là, pour le moment, on va voir ceux qui vont devoir se retirer du front, mais rester malgré tout au campement. Donc là, la Mishnah, la Torah nous dit, Yelech Veyashoveto qui va repartir chez lui, mais c'est pas pour repartir chez lui concrètement tout de suite, on ne pas la guerre. Et là, ça implique, Echad Abone Bet Ateven, ça implique même aussi celui qui construit un Bet Ateven, une grange pour son foin. Bet Abakar, qui a construit Bet Abakar, où on met les animaux, une ferme, un étable. Ou Bet Aitzim, une grange où il va stocker son bois aussi. Bet Aotsot, ou encore n'importe quel grenier qui va. Même ça s'appelle aussi qui a construit une maison. Tu l'as construit, tu n'as pas encore eu le temps d'en profiter, alors tu restes pas ici. Et ça implique aussi, Echad Abonet, Echad Alokach, Echad Ayoresh, que celui
qu'il construise, ou bien qu'il acquiert, c'est-à-dire qu'il achète de quelqu'un d'autre, ou vechad ayoresh, ou encore qu'il hérite, ou encore en vechad shinitan lo bematana, ou même si c'est quelque chose qu'il a reçu en cadeau, on a fait cadeau, et bien il ne pourra plus partir en guerre. Deuxième série maintenant, on a fini avec celui qui a construit la maison. On va s'intéresser à présent à Umi Aïcha Sharnata Kerem Velochilelo. Quel est l'homme qui a planté un verger, un vignoble littéralement, Kerem, si ça implique la vigne spécialement, Velochilelo, qui ne l'a pas ensuite profané, c'est pas dans le sens de profaner, c'est-à-dire qu'il n'a pas concrètement mangé ses fruits. Parce qu'on considère en fait que lorsqu'on plante un arbre, on ne peut pas manger des fruits pendant 3 ans parce qu'ils sont hors là, c'est comme si ils sont pour Hachem. Après la 4e année, la Gdoucha elle baisse, ils deviennent fruits Péperot Revaï. On a maintenant, ils ont une Gdoucha, qu'on peut les manger, mais en montant à Yerushalayim. Là, on a la possibilité de les racheter, les fruits, et de les consommer, ou bien d'aller les manger à Yerushalayim. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé le terme Velo Chilelo, d'accord? Et Chad a noté à Kerem, que ça implique celui qui a planté un vignoble. Vechad a noté à Chayim Shaila Nemachal, ou bien celui qui a planté même 5 arbres fruitiers qui sont consommables. Mais même si c'est 5 sortes, il a fallu un pommier, un poirier, des abricots, un pêchier et une mangue. D'accord? Ça marche aussi. Et mieux que ça, c'est même pas la peine de planter franchement depuis zéro. Echad Anotea, qu'il s'agit aussi de quelqu'un qui a planté, Vechad Amavrich, ou encore de quelqu'un qui a fait une arcava. C'est des techniques pour renforcer les arbres, en fait. On prenait des arbres, on les laissait pousser. Et des croisements, c'est pas des croisements de deux espèces. Ça peut même être aussi d'une même espèce. Il y avait une technique de couper les branches, et puis après de reprendre d'autres branches d'un autre arbre, de le replanter dedans, et comme ça, elles se renforçaient. Donc, lorsqu'on fait ça, alors c'est ce qu'on appelle, on était mavrir. Les hadamarkiv aussi, et ça aussi, c'est des vrais croisements d'espèces, en plantant un dans l'autre. Aussi, vechadalokar aussi, qu'il s'agit de celui qui a acheté. Attention, on parle de l'arkava qui est permise. C'est nécessaire, parce que si elle n'est pas permise, l'arkava, alors il devra revenir pour une autre raison, comme on verra dans une des prochaines mishnayot. Vechad alokar, qu'il s'agit aussi de celui qui a acquis, a acheté, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui l'a planté, puis moi je l'ai acheté, malgré tout j'ai un verger, maintenant je repars chez moi. Vechad ayoresh, ou bien celui qui a hérité. Vechad shinitanu bematanu, encore celui qui a reçu en cadeau. Troisième séquence maintenant, qui doit repartir aussi, c'est Omi Shesher Erasisha, celui qui est la personne qui a fiancé une femme et qui ne s'est pas ensuite marié concrètement, qui n'a pas vécu un an avec elle. Et ça implique Echad Ameares et Ametula, qu'il s'agit de celui qui a fiancé une jeune fille. Vechad Ameares et Almana, ou bien de celui qui a fiancé une femme qui était de toute façon veuve. Il n'y a rien de dramatique. Elle a déjà perdu, elle a vécu 20 ans avec un premier mari. Elle s'est fiancée après son mari est décédé. Elle s'est fiancée avec un deuxième. Ça va. C'est plus une jeune fille qui va être. Ça va être très désolant, comme ça on aurait pu croire. Eh ben non. Le mari doit quand même repartir maintenant chez sa femme. La philo Shomakiava, même mieux que ça. Même s'il n'a même pas fiancé la femme. Mais elle est tombée en hiboum. Il y a son frère qui est mort, c'est l'enfant. Et cette femme-là, elle est venue en hiboum devant lui. Maintenant, elle attend que lui la marie. Maintenant, cette personne-là repart du front, ne va pas aller faire la guerre. Mieux que ça, va filou shama shemet achiv, va milchama. Même si lui, pendant qu'il était sur le front en train de faire la guerre, il a appris que son frère est décédé, que maintenant sa femme attend le hiboum. C'est-à-dire, on aurait pu croire qu'en fait, bon. Qui revient de la guerre? Celui qui a fait toutes ses actions avant de partir en guerre. Mais celui qui était déjà là-bas, sur le front, en train de se battre, et qu'il apprend que son frère il est mort, maintenant il a une Yevama qui l'attend, on aurait pu croire que lui, il est exempté, il a le droit de rester, il a le droit de rester et faire la guerre. Non, sur la Torah Léviane nous dit non, même lui il doit repartir. La Mishnah nous dit que même lui doit repartir, d'accord? Ensuite on continue. Kol Elou, et donc il va filo shamashemet achiv va milchama chozor balo, même s'il a juste entendu, pendant qu'il était à la guerre, il a entendu que son frère est mort. Le Bamilchama, faut pas dire Shemet Achiv Bamilchama. Faut dire Bafilou Shemet Achiv, pendant qu'il était Bamilchama, ça s'importe sur le fait qu'il a entendu. Choser Obalo, il revient donc pour faire le hiboum à sa belle-sœur. Kol Elou, Shom'in Divrei Choen Me'erche Milchama Vechozrin. Tous les Me'erche Milchama, c'est une phrase compliquée à comprendre. Me'erche ou Me'erche Milchama, c'est ceux qui vont faire la guerre. Toutes ces phrases-là, ils devaient
les entendre. Alors, il y a un problème, c'est que là on parle du Cohen alors qu'on a dit que c'était le Shotrim, je ne sais pas comment résoudre cette problématique. Mais concrètement, Kol Elou, toutes ces personnes-là, ils doivent entendre toutes ces personnes-là qui font la guerre, c'est-à-dire de ceux qui partent en guerre. C'est une phrase qu'il faut lire à l'envers, en fait. Mais Rea Melchama, Shomin, Kol Elou, Midivre et Mikoen. D'accord? Tous ceux qui ont été enrôlés pour faire la guerre, ils vont entendre ces paroles du Kohen, Vechozrin, et ils vont revenir. Mais attention, ils vont revenir où? Au Mesapkin, Maïn Mazon, au. Ils devront pas rentrer chez eux, mais ils devront quand même rester en défense passive. Plus précisément, ce qu'on appelle défense passive, c'est pas défense passive, c'est plutôt Mesapkin, Maïn Mazon, leur apporter, faire les jobniks, ce qu'on appelle à l'armée, leur apporter l'eau et la nourriture à ceux qui font la guerre, et aussi au Metaknin, et aussi réparer les routes. Parce que quand on fait la guerre, surtout si c'est des périodes un peu de pluie, tout ça, il y a beaucoup de dégâts qui se passent. Il faut sans arrêt réparer et entretenir la route pour qu'ils puissent partir, continuer la guerre. Ils sont là pour faire ces travaux-là, d'accord? Et on apprendra maintenant dans la prochaine Mishnah, que dans les deux prochaines Mishnah, on apprendra des personnes qui vont Bichlal, qui vont même pas partir, qui vont même pas être enrôlés directement, ils vont être exemptés de rester chez eux concrètement. Et là, il y aura une Mishnah que on apprendra ensuite ceux qui devront rester malgré tout à la guerre. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.